Une cinquantaine de gardiens de but âgés de 10 à 17 ans se sont donné rendez-vous sur le plateau d'Hauteville dans le département de l'Ain. Les vacances de Pâques ont marqué avec ce stage spécifique gardien de but le coup d'envoi d'une institution locale, celle des stages de football olympique lyonnais. Petit retour en arrière, nous sommes en 1986 et sous le parrainage de Bernard Lacombe, la commune d'Hauteville accueille les entraîneurs du centre de formation olympien. Débute alors une série de 22 années de stages signés OL, des stages qui verront entre autres défiler des joueurs comme Florian Maurice, Jérémy Bréchet, François Clerc ou encore Sandy Payot. 22 ans plus tard, la recette n'a que très peu changé. Avec des infrastructures renforcées et une qualité d'air toujours aussi pure, Hauteville propose via la société H3S des stages d'oxygénation constitués d'une partie technique le matin, avec des entraînements spécifiques et d'une partie plus ludique l'après-midi autour de diverses activités, telles que le canicross, l'équitation, le tir à l'arc ou encore l'acrobranche. Autre moment fort pour tous les participants, le déplacement à Tolla-Vologe et la rencontre avec les joueurs de l'Olympique lyonnais. Bien, c'est mieux qu'à la télé. Puis voilà, genre on les voit plus près. On n'y pas ma coupe. Coupé, Benzema, Ben Arfa, tous les autres. Et tu dis les joueurs en général. Ouais, surtout Coupé, parce qu'on va faire une photo avec lui. Traditionnellement, les pros montaient à Hauteville, s'oxygéner au cours d'une journée, pour faire la connaissance des jeunes, créer un contact. Et ça, c'était très très important. C'est le socle du stage. Et aujourd'hui, nous tentons de le remplacer en faisant l'inverse, c'est-à-dire que si les joueurs ne montent pas voir les jeunes, ce sont les jeunes qui descendent à Tolla-Vologe voir l'entraînement, assister à l'entraînement des pros et créer du contact, ce qui est vraiment essentiel pour ces jeunes. Ça leur met des étoiles plein les yeux et ils sont à un âge où le contact avec les joueurs est, leur procure du rêve et c'est essentiel. Après une semaine en pension complète, le stage se clôture par la cérémonie de remise de récompense. Une cérémonie signe d'au revoir puisque la majorité des enfants se donne rendez-vous l'année suivante. Prochaine session de stage avec les semaines OL-été qui s'étendront du 6 juillet au 23 août 2008. Pour toute réservation et information complémentaire, Hauteville 3S vous donne rendez-vous sur leur site internet www.hauteville3s.com.